Hey yo les amis, j'espère que vous êtes chauds aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve au Grand Prix de Misano. C'est la grande course, c'est exceptionnel. De Malaisie. Non, au Grand Prix de Malaisie. Voilà, c'est ça plutôt. Grand Prix de Malaisie. Et ouais, j'espère que vous êtes chauds. Qu'on va envoyer. Voilà, après on aura Valence. Ah, du coup, on est sur la fin. D'accord, on est sur la fin du championnat. Donc on a que... Ouais. On a que 3 courses en fait. Donc là on est parti pour la deuxième. Let's go. Ça on peut peut-être les enlever. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux. 4 tours, ok, let's go, let's go. On va passer au fur et à mesure. Allez, on est chaud, on est chaud. On a augmenté un tout petit peu la difficulté, on a rajouté 5. On va voir ce que ça donne. Parce que le but, c'est quand même d'aller en moto 2, de développer les choses. Et puis d'essayer d'aller le plus loin possible. Et surtout, les gars, de prendre du plaisir. Allez, let's go, on rejoint le circuit, on va faire un départ lancé. Let's go. Il fait encore pas très très beau. C'est parti! On est chebound to unite. Bon. Ah bah là. Là les gars, j'ai pas vu venir du tout le virage. Ok, bon, virage comme ça. Gros virage même. Ok, on est ici. Ouais, donc là, grosse épingle. Vraiment bien freiné. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne dès le premier tour. On n'a jamais roulé sur ce circuit-là encore. Oh non! Mais non, mais putain! Je vais pas avoir toujours des putains de pénalités de merde là! C'est pareil, ils se poussent pas leur cul, putain de merde! Comment ça me casser les couilles ça? Putain! Ah, ça fait chier là! Bah non, mais merde! Oh là 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 là! Et ça m'agace. Aïe. Oh là 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 là. Bestemo.
Allez, let's go. On va tenter un chrono. Putain, comment on suit bien la trajectoire? Oh putain, la réaccélération trop rapide. Vite, 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 faut repartir. Oh putain, c'était chaud. C'est chaud quand tu connais pas le circuit. Autant de t'y faire. Dis-moi pas quand même qu'on va faire le meilleur chrono alors qu'on est on s'est cassé la gueule. Oh là là, mais non! Mais putain! C'est quoi ce bordel? Et pourquoi il y a plein de monde? Oh là là, quel virage! Quel virage! Ah, ça va sortir! Allez, c'est parti, faut qu'on améliore à celui-là. Oh c'est beau. Oh c'est beau ce que tu fais Gaëtan. C'est magnifiquement beau. Oh là 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 là, la beauté. Allez. Allez, on doit aller chercher un chrono. Thank you.
Ah là 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 là. C'est compliqué aujourd'hui. Très très compliqué. Ah là 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 là. Ouais, temps personnel, on est... Ça va pas. Ah, il m'a mis personnalisé, moi j'étais en intermédiaire tout à l'heure, donc on retourne en intermédiaire, on est toujours à 25. Et let's go, on reprend le circuit, départ lancé. Là, les gars, faut qu'on fasse quelque chose là, on n'a pas le choix. On a encore foutu là. Allez, pense à freiner comme il faut, Gaëtan. Il faudra chercher une position. Hein. Là 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 là, mais putain de merde. Embobiné là, comment on fait? Alors, embobinage qui nous fait plaisir. Allez, on est chaud. On prend des belles courbes. On va essayer d'aller chercher une bonne place. Oh putain, j'oublie de freiner! Mais j'oublie de freiner! Mais putain de merde! Je suis en secteur rouge en plus! Mais non, mais Gaëtan! J'ai encore pas validé un chrono, ça me casse les couilles. Ah, c'est pas du tout le même Grand Prix que la Thaïlande. Plus compliqué. Que ça va valider ça. Oh là là, mais non, mais non, mais non. Ah, je suis tombé, alors c'est mort. Redé, recours, faut refaire des par lancer. Putain! Ah, oh, je vais y arriver! Ah, j'ai validé un 2.30 du coup, c'est ça? Il faut valider 2.26.
Regarde où il est le long lap. Mais putain de merde! Putain, mais les gars, je vais pas y arriver. J'ai pas oublié le long lapin. J'ai pas vu. Oh bah là j'ai récupéré une avance mon gars en faisant ce putain de... Je me... avec l'avance que j'ai. Magnifique courbe de prise. C'est beau ce qui fait le joueur français. Pff, fait perdre la moto. On accélère comme il faut. Putain, ce virage là, mon gars. Attends, faut que tu penses à freiner. Yeah. Allez, fin de la séance. C'est la fin de la première séance d'essai. On a réussi. C'est chaud, hein. C'est chaud quand même, hein, parce que il a fallu. Faut pas que je me craque, hein, dans la course. La troisième séance d'essai de Moto 3 va commencer. Pour rappel. S'agite dans les stands, la voiture est prête et le pilote va prendre la piste. On essaye de faire un beau tour, que ça valide très très vite. Et quand il fait beau là. Allez.
Alors, on n'a pas perdu l'arrière. On est plutôt bien. Ah lui, faut penser à freiner par contre. Parce qu'à chaque fois on se fait avoir, on sort trop large. C'est bien ça. Là, le pilote français est bien concentré dans son tour. Ah non, mais putain, pas maintenant Gaëtan. Putain, faut je pense à ces deux virages. Oh là, bah là. Allez, les choses virage. T'as vu là, même en reprenant, ça a failli. Oh, le beau soleil là, c'est magnifique. C'est ce qu'on aime. On se laisse pas déconcentrer par contre par le soleil. Mamma mia, mamma mia. Freine, bon Dieu, freine. Oh non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais mort. Ah, c'est chaud. C'est chaud, quel chrono on va aller faire? De 26. Est-ce que ça va suffire? C'est ça la question. On va peut-être aller chercher un autre chrono un peu mieux. Allez, on est chaud. Oh là, c'est beau ce que tu fais, Gaëtan, ce que tu nous proposes. Il y a de la qualité dans ce pilotage. On n'oublie pas de freiner, c'est le gros virage. Faut freiner sévère. Oh là là, ça rattaque fort. Ça rattaque très fort même. Même un peu trop. Attention, celui-là c'est pareil. Il est vrai serré. Ah, c'est pas mal, ça a passé, c'est passé bien. C'est beau, c'est propre, c'est efficace, c'est ce qu'on veut voir, on améliore dans chaque secteur. Opa ! Putain ! Ah, j'ai voulu trop attaquer là. J'ai voulu vraiment. En fait, celui-là, je le vois toujours rapide. Je le vois toujours rapide celui-là, et en fait non, il est pas rapide, faut vraiment aller mollo. Ça va être très dur la course par contre les gars. Il n'y a que 4 tours, mais va pas falloir tomber.
Je pense qu'on va pas effectuer la pénalité. On va prendre les 3 secondes. Oh là, ça sort. Ça sort. Allez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire fin de session. On va voir si on sort. Oh, on en sort premier en plus. N'oublions pas que les 14 meilleurs pilotes iront directement en Q2. Et voilà. C'est beau. C'est beau, c'est efficace. C'est ce qu'on veut, les gars. Et nous sommes de retour sur le circuit pour la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 3. Les premiers pilotes vont prendre le départ et s'affronter pour avoir la meilleure place sur la grille de la course de demain. On s'agit Allez. Dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre. Allez, tout de suite, on va chercher un bon chrono. Let's go! On va recommencer, hein. Autant recommencer. Ouais, là j'ai coupé, là j'ai complètement coupé. Je me suis... ah, ce virage là il est dur parce qu'en fait dès que tu repars sur l'autre angle, t'es moitié pas trop d'adhérence de l'avant. Et si tu repars un peu trop sec au niveau de du joystick, c'est baisé. Voilà, je vais être tout seul, je vais être bien. Allez. C'est parti, tour chrono. On y va. On essaye de faire ça en un tour, comme ça, ça, on passe directement à la course. Et là, la course, ça va être chaud, les gars. Là, la course, ça va être bouillant. Ça n'a rien à voir. Dans le rouge. Aime bien celui-là, il est balèze. Oh la belle courbe là! Oh c'était magnifique! Magnifique! Bien prise et tout! Beauté divine des dieux! Ah la beauté! Allez, let's go! On y est, on entend le public! Public qui réagit au pilote français en Malaisie! C'est magnifique! Let's go, come on! De 21. Je crois que j'ai jamais fait aussi bien, les gars.
Retour au stand. Allez, vous savez quoi, on est des fous, on est des malades, on fait fin de séance. Regardons le classement final de 21, bah tu vois, il faisait funk du 22-27. On pourra augmenter encore du coup, mais le seul souci, c'est qu'on n'est pas encore assez bon sur le... Bah, on va dire à peu près sur le papier. On n'est pas assez bon encore, les gars, au niveau du... On est trop faible, en fait, on va trop souvent tomber. Et ça, c'est pas bon. Et nous passons au direct sur la grille de départ où tout le monde est prêt pour... Medium, bah, si c'est si, ce qui recommande, les gars. Le vainqueur du Grand Prix de Malaisie, les pilotes ont achevé leur tour de chauffe et sont alignés sur la grille de... C'est parti, les gars. Let's go, j'espère que le Grand Prix va bien se passer. Va falloir qu'on fasse gaffe, les gommes sont froides. C'est parti. Les gars, fais-moi pas tomber. Putain. On peut pas recommencer. Ah si, nouveau départ. Ah les gars, on recommence. C'est n'importe quoi. Bon bah les couilles, moi. On rejoint le circuit. Allez. Ah, j'ai beaucoup trop freiné. Ah, il me fait... Je serais tombé tout seul, j'aurais continué. Mais là, je tombe pas tout seul, c'est sa moto qui me fait tomber. C'est chier. Let's go. C'est parti, deuxième départ. C'est complètement dingue. Il y a eu le drapeau rouge avant. C'est pas vrai, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà ce qu'on veut. Voilà, ça c'est un beau départ. Ça méritait. Il y a une pénalité, il n'y en a qu'une à faire. Est-ce qu'on essaye de la faire? C'est ça la question. Où est-ce qu'on se concentre? Allez, c'est parti. On a pris largement l'avance là, c'est bien. On va se planter, les gars. C'est obligé. Ah putain, j'ai fait le con. Ah et putain, je peux rebobiner. Oh ah là, je faisais le con. J'étais en train de m'amuser avec ma caméra. Mais là, j'ai filé tout droit. Grand Prix un peu catastrophique, hein, les reprises et tout. Enfin, ça va qu'on commence tout juste le jeu, parce que sinon, c'est vrai que ça sera un peu limite. Mais bon, eh oh, faut prendre du plaisir, les gars, si je passe pas. Pilotage auto, c'est fait. Allez, faut que je ressorte, allez. J'ai pris ma pena. J'ai pris ma pénalité, il faut y aller. Faut ressortir, ça relance tout sur la course, les gars. Ça relance complètement tout, va pas falloir se craquer, hein. Oh là là, on a pris l'intérieur, les gars, on gagne 6 places, 4 places. On était 7ème ou 6ème. Si on gagne, on en gagne 3, on en gagne 4, faudra regarder ça au ralenti, c'est complètement dingue. Bon, niveau vitesse, par contre, on est complètement fou. Hein. Ah, je prends plus court, il prend beaucoup plus large, la trajectoire est meilleure.
Oh, c'est magnifiquement fait. Les gars, on n'a plus de pénalité maintenant. Ce qu'on veut, c'est une concentration ultime. Ne plus faire de rembobinage, ne plus aller chercher n'importe quoi. Et faire sa course comme il faut, proprement, digne des plus grands noms. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est une très bonne trajectoire, ça, de la part du pilote français. On est large, là, on sait quand même un très très gros freinage qui arrive. Il faut bien freiner, bien prendre la courbe, accélérer comme il faut. Voilà, c'est ce qu'on veut, une course très propre. On a eu du combat en plus, mais bon, au niveau dépassement, voilà, je pense qu'on pourra augmenter encore de 5 pour la semaine. Ah là 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 là. Ah, Gaëtan, mais Gaëtan! On a dit pas de rembobinage. Ah là là, putain. Et heureusement, les gars, qu'on a le rembobinage. Ah, on se l'accepte pour le moment, mais après, en MotoGP, on n'aura plus le droit. Ah, on n'aura plus le droit après. Là, c'est le temps de s'habituer au jeu. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que le jeu n'est pas simple. Mais c'est vrai que... c'est pas du tout pareil que F1, hein. Tu vois, ça, c'est complètement une autre physionomie. On va anticiper vachement les freinages. Le truc, c'est que sur une F1, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle de risque de chute en freinant, en fait. Que là, sur... t'as le risque d'aller tout droit parce que t'as freiné trop tard. Tu vois, mais t'as pas le risque de chute. Que là, si tu freines vraiment trop fort, bah, tu te barres en couille, en fait. C'est beaucoup plus simple de rattraper sur une F1, je trouve, que de rattraper sur MotoGP. Là, je suis vachement large, je vais ressortir bien. Allez, on va attaquer le troisième tour. Ils sont loin. Ils sont loin, ça faudra dire que je suis toujours sixième au classement. C'est un peu limite là ce qu'on fait. Voilà. Ah, c'est chaud. C'est chaud, concentration, il est en concentration. Il reste plus que 2 tours, concentration. À fond. C'est bien parce qu'en fait on va monter gentiment. Donc on va s'habituer un peu à la conduite, on va dire. Et comme ça en même temps on va monter à chaque fois la difficulté. Doucement. Doucement! Alors celui-là les gars, c'est à chaque fois. C'est à chaque fois. Et ça on n'aura plus le droit de faire ça après. Et il retombe! Et il retombe! Et il refait la même! Faut vraiment que je freine beaucoup, en fait. Ouais, faut vraiment freiner, putain. Truc de dingue. Allez, on essaye de faire un tour propre.
Oh, c'est beau. C'est magnifiquement bien réalisé. Je sais pas si ça se dit magnifiquement. On s'en bat les couilles. Allez, dernier tour. Heureusement qu'il y a le rembobinage, parce que sinon... Ah, sinon ça va, parce que j'ai un peu d'avance. Tu vois, la difficulté est pas trop compliquée, donc ça va. Enfin bon, la difficulté est pas trop compliquée, je tombe quand même souvent. Mais ça va venir, ça va venir. Normalement, je vais avoir les freinages, je vais avoir tout ça, mais... Là, je suis pas avec toutes les aides. C'est déjà ça de bien. Après, il faudra les enlever une par une. C'est magnifiquement réalisé, ça. C'est magnifique, c'est beau. C'est le virage où on est tombé tout à l'heure. Oh là, bah là aussi, c'est une super sortie. Oh là, on va carrément dans l'herbe, on est chaud. Et écoute, c'était de la motocross. Oh là là. Oh, comment que c'est joli. Oh, c'était pas du tout la trajectoire, je pense, idéale, mais franchement, ça, on s'en est sorti d'une performance ultime. Allez, dernier tour. C'est magique. On va aller encore chercher une première position. Les Moto 2 vont s'amplifier après. Quand on va aller en Moto 2, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que à chaque fois, on va augmenter la difficulté. On va essayer d'avoir une difficulté à peu près bien, pour que ça soit dur d'aller, on va dire, chercher les 5 premières positions. Ah, c'est chaud, les gars. Alors que les pilotes Moto 3 en terminent, regardons le classement final de la course qui vient de. On n'est plus qu'à 25 points. On va maintenant vers le parc fermé où les pilotes du top 3 arrivent toujours. Alors on passerait directement en MotoGP, on n'irait pas en moto en Moto 2. Après on pourra directement en MotoGP et non en Moto 2, ça veut dire on passe directement en MotoGP. Donc là va falloir augmenter la difficulté, là on fera une saison complète. Ah, ça va être chaud.
Et sur ce, les loups, j'espère que vous êtes, que vous avez été heureux de vivre cette petite vidéo, ce petit let's play numéro 2. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt les gars pour Valence, le dernier de Moto 3. Et on verra après vers où on va aller. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce let's play était magnifique. Bon, il y a eu beaucoup de chutes, hein, mais bon, ça, on adore ça, la chute, on est l'énervement et tout, c'était formidable. Sur ce, on se fait une grosse bise, on se dit ciao ciao les gars. N'hésitez pas à liker.